voulais parler aujourd'hui, qui est un, on a beaucoup chanté aujourd'hui là. Alors, je crois que ça concerne beaucoup d'entre vous aujourd'hui. C'est extrêmement important. Alléluia. Le cinquième nom que nous voyons des relationnels aujourd'hui, dans les 20 minutes, je vais introduire, je vais terminer dimanche prochain. Ça, il s'appelle, Dieu que nous prions s'appelle Yahvé Tchidke. Yahvé Tchidke, nous va servir, regarde. Amen. Yahvé Tchidke, nous en hébreu veut dire l'éternel est ma justice. Alléluia. Jésus-Christ est notre justice. Amen. Ça, c'est le cinquième nom de Dieu des relationnels que nous avons dans la Bible. Yahvé Tchidke, nous, donc l'éternel est ma justice. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez un peu, on parle un peu de la justice dans les hommes. On parle, il y a un cours de suprême de justice. Mais Dieu est le vrai juste. Alléluia. C'est un nom extrêmement important quand tu l'invoques. C'est le nom que Jésus-Christ a accompli premièrement à la croix. La Bible dit qu'il est devenu notre justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Justice par rapport à quoi? Par rapport, vous voyez que nous tous, nous étions errants, nous étions déjà condamnés, on ne connaissait pas Dieu. Mais lui, il est venu, il s'est offert pour devenir notre justice. Il nous a, par l'acte qu'il a commis à la croix du Calvaire, il nous a justifiés. Alléluia. Plus de culpabilité, plus de condamnation. L'accès devant le Père est ouvert, la voie du pardon, la chrétienté et la religion, et excusez-moi le terme religion, c'est vraiment la forme de dévotion la plus réelle de Dieu, parce qu'un vrai chrétien ne connaît pas la culpabilité. Quand il fait une bêtise, il fait quoi? Il ouvre son cœur devant le pardon et il devient libre. Cela ne pouvait pas être d'accord si Jésus-Christ ne s'était pas fait justice pour nous. La Bible l'appelle la rançon. Il a payé la rançon. On dit, Jehovah Tchidke, nous voyons toujours la rançon. Quand on demande une rançon, en Colombie, ou les endroits où on enlève beaucoup de gens, quand on enlève un enfant, les criminels demandent une rançon. Quand la rançon a été payée, si le criminel peut tenir sa parole, des fois il ne tient pas, l'enfant est réuni. Jésus-Christ est notre rançon. Nous avons une dette envers Dieu, une dette de colère devant Dieu, une dette. Nous méritons tous la mort. Il a été notre rançon à la croix du Calvaire. C'est pourquoi la culpabilité ne peut pas être ton lot, quelle que soit la chose que tu as fait. Dans les moments difficiles, dans les moments de tentation ou autre chose, tu dois, quand tu as été sincère dans ta confession, la chose est nettoyée. Alléluia. Et ne reviens plus. Amen. N'y reviens plus. Et si ça revient encore, tu fais quoi? Tu reviens encore. Mais fais attention quand, quand tu confesses la même chose pendant 10 fois, c'est que tu n'es pas encore réparti. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons aujourd'hui, l'éternel est ma justice, ou je peux dire, selon mon petit français, l'éternel est devenu ma justice. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'éternel qui est ma justice, on va prendre le père Jérémie, verset, oh mon Dieu, Jérémie 23, verset 6. Eh, santé, santé est bénie, la santé est bénie, ombre, ombre de la mort est brisée. Oh, Shimala Kier, Kieru Mabas, Samoshike Bataille. Oh, Marie, mariage de Dieu, mariage de paix, et là, mariage de paix, Léon, Léon, Léon est brisé, oh, Rachakai. Eh, Shimala Kobara, Samoshike Bataille. Jérémie 23, verset 6. En sondant la Judas sera sauvé. L'Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. L'Éternel est notre justice. Dites que l'Éternel est ma justice. Alléluia. L'Éternel est ma justice. Alléluia. Alors voyez un peu. Si nous revenons au psaume 23, on n'a pas encore éloigné, voyez un peu. Le psaume 23, gardez les doigts sur Jérémie 23, et l'on est le psaume 23. Je suis à l'introduction de Jehovah Tchidke nous, ou Yahvé Tchidke nous, Mashike Malakubara Nakaya. Psaume 23, verset 3 dit simplement quoi? Oshik Malakaya, on y. Allons-y rapidement.
Psaume 23, verset 3 dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Quel nom? L'Éternel est ma justice. Alléluia. Si vous prenez le psaume 23, vous l'occupez à Jérémie 23, verset 6. C'est 23 et 23, donc c'est une drôle de coïncidence. Amen. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une drôle de coïncidence. N'entrez pas dans cette chrétienté de chiffres-là. Amen. Ce n'est qu'une coïncidence. Alléluia. Amen. Jérémie 23 et dit, en son temps-là, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa main. Voici le nom de l'appellant l'Éternel et notre justice. Amen. Amen. Dieu est ta justice. Peut-être que vous ne comprenez pas encore. C'est non justice. Quand on dit invocation de ce nom, veut dire au moins trois choses. Quand je dis l'Éternel est ma justice, ça peut impliquer trois choses. Alléluia. La première chose, ça implique, voyez un peu, c'est que c'est l'Éternel qui te justifie. La Bible parle de la justification par la foi. La Bible dit que par le péché d'un seul homme, le mal, la condamnation avait, par l'acte d'un seul homme, nous avons été justifiés. Donc il n'y a plus de culpabilité. Tu étais errant. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, maintenant tu es attitré à être justifié. Parce que Dieu a regardé, tu as reconnu le Fils comme Seigneur et Sauveur. Tu as confessé pardon pour toi. Quel que soit le mal que tu as fait, ce que les gens peuvent dire de toi là. Tu y es justifié. Il n'y a plus de condamnation en toi. Parce que la culpabilité, ça peut te tenir. Ça ne peut pas marcher. Pour ceux, par exemple, que Dieu donne une seconde chance de mariage, tu dois te sentir justifié, parfaitement qualifié pour ta seconde union que Dieu te donne de grâce. Pour la commencer. Que la seconde union ne soit pas le palliatif du premier ou la guérison du premier. C'est une fausse. C'est pourquoi il faut être guéri de toutes les blessures intérieures d'avant pour entrer dans le nouveau. Alléluia. Amen. Et c'est là la justification est extrêmement importante. Alléluia. Dans Marc 10, verset 4 à 5. Reçois la paix maintenant, beaucoup de paix maintenant. Les dessins de paix sont là. Les mains seulement, beaucoup les mains simplement. Oh, ma chica. Yeah, Yeshua, ma wette. Brouille, est fini. Oh, shimare, qui va passer. Oh, shikamare, la chikimare, qui va passer. Oh, shimare, qui va passer. Oh, shimare, qui va passer. Donc, on va revenir sur ce texte-là après. Prenons Oshimare, qui va. Romains 5, verset 18. Romains 5, verset 18. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Amen. L'offense connue par Adam a condamné le monde entier. Amen. Et par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Amen. Par un seul acte de justice que Jésus a fait, on est justifié. Je disais exactement un peu trois choses, que c'est l'Éternel qui te justifie, mais aussi ça, la seconde chose que ça implique, on va voir ça après en détail, l'Éternel est celui qui te rend justifié ou qui défend ta cause aussi. Amen. Et la troisième chose que ça implique, c'est l'Éternel qui te rend capable de produire des arbres, des œuvres juste. Amen. Quand il dit l'Éternel est ma justice, c'est les trois choses. Justification par la foi, mais Dieu qui défend ta cause, qui est un Dieu qui réellement défend ta cause, qui est devant les situations de ta vie, et puis un Dieu qui te rend capable de produire les choses justes. Alléluia. Allons-y au premier rapidement dans 10 minutes, et puis
L'Éternel est celui qui te rend, qui te justifie devant lui-même. Amen. La première fois, l'Éternel te justifie devant lui-même. Amen. Dieu a regardé que l'homme était détourné au mal. À la première dispensation, la colère l'a atteint. Il a dit, bon, je vais détruire le monde par l'eau des déluges. Et puis après, il a dit, ah, l'homme n'est que poussière là. Je ne détruis plus l'homme par l'eau des déluges. Noé et les huit sont sortis et la terre a commencé à prospérer. Et puis Dieu a dit, non, je vais envoyer ma loi pour que les gens soient corrects devant moi. Dieu a encore échoué. Parce que les hommes ne peuvent pas suivre la loi. Il dit, enfin, quelle solution je vais trouver pour l'homme que j'ai créé à mon image? C'est de prendre sa forme, de venir sur cette terre et de me sacrifier lui-même pour lui. L'acte de justice, je devais dire à la croix, Dieu s'est fait homme pour se sacrifier pour toi. Pour que tu ne sois plus condamné. Alléluia. Voilà, il dit, par l'acte d'un seul homme, la justification a atteint plusieurs. Qui sont ces plusieurs? C'est ceux qui ont de l'air donné vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu a fait ainsi? Parce que Dieu est amour. C'est pourquoi les gens qui ratent les temps ici, le sort de donner vie à Jésus-Christ, ratent toute une éternité. Dieu s'est déjà sacrifié. C'est pas toi qui es dedans. Ne vis pas dans la culpabilité. Confesse ton péché et vis vraiment une vraie vie de repentance totalement justifiée. Parce qu'il ne tiendra pas compte de ce que tu n'avais pas dépassé. C'est pourquoi il donne encore une chance aux gens. Ils ont perdu des choses par cause de leur faute. Et puis, il les sauve encore. L'Esprit me donne le psaume 107. Je reviens sur ça. Allez lire ça à la maison. Et montre la catégorie de tous les gens qui avaient fait des bêtises. Amen. Mais quand ils étaient arrêtés, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel les exauce. Ça montre que Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Alléluia. Au chemin de Kama. Et tu es justifié par quoi? Tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Quand maintenant tu as demandé, tu es un vrai chrétien, tu as fait des bêtises, tu as demandé pardon à Dieu, que Dieu t'a exaucé, maintenant son sang te couvre. Il te regarde à travers et te dit, oh, je vois un juste comme moi. Alléluia. Mais le problème des enfants de Dieu, ils ne sont pas conscients qu'ils sont justes. C'est toujours de la culpabilité. Ah, moi, je ne vois rien. Et moi, ma Dieu, moi, je ne vois rien. Mais tu vois quelque chose. Parce que Jésus est mort pour toi. Jésus a payé la rançon pour toi. Tu vois quelque chose qui est précieux, précieux aux yeux de Dieu. Amen. Alors, il y avait une que nous, Dieu est juste quand il est il y avait une que nous, tu dis, l'Éternel m'a justifié, tu dis que Jésus-Christ est ma justice. Ça veut dire que Dieu te regarde, il te déclare, il te justifie. Tu n'es plus coupable de quelque chose. Amen. Tu es sans faute au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 30, on va terminer par là. Orama Shirim, Shemi Koumana Lakeyama Sata. 1 Corinthiens 30. 1 Corinthiens chapitre 1 plutôt. Oh, je suis comme le bé, Libi la joie, Libi, beaucoup de joie, Libi la joie, Omara Mashik. L'ange de Dieu agit, l'ange de Dieu agit. L'ange de Dieu agit, Omara Mashik. Alléluia, 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 l'ombre est passée. Élevez Jésus maintenant, Omara Mashik. Alléluia, je lis dans français courant, 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 30. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Il a fait de Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu et qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Alléluia. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait sagesse, justice et sanctification. Justice, dans le français pour moi, ça veut dire qu'il nous rend juste devant Dieu, qui nous justifie. La sanctification de vivre pour Dieu.
Parce que si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. Mais la vie de sanctification, c'est une vie de grâce. Il faut être justifié, tu n'es pas coupable, tu n'es plus coupable, et ça, ça t'attire vers Dieu, et puis tu peux être sanctifié. On peut voir que le sang de Jésus a deux fonctions, la fonction de justification et la fonction de sanctification. Alléluia. Quand tu invoques le sang de Jésus en ce lieu, le sang de Jésus, toi, là, il te justifie, parce que tu demandes pardon, mais il sanctifie aussi la personne ou même les lieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, par un seul acte de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand tu invoques, il y a la suite que nous, quand tu chantes, est en tête que la culpabilité n'a plus de place pour moi. J'ai subi cette ancienne personne-là. Les accusations ne sont plus de place pour moi. Je suis ce que Dieu dit, car Dieu m'agrée, Dieu me justifie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous comprenez la grâce de Dieu. Amen. Romains 8, verset 1. Pour ceux qui vivent encore dans les condamnations. Alléluia. Non, non, prenons verset 30. J'avais pas prévu de parler ça. Rapidement, verset 30. Nous voyons, nous sommes en train d'étudier le nom de Jéhovah Tchikenou. Nous sommes en train d'avoir la première situation, c'est nous qui dit que les dieux qui nous justifient, l'éternel nous justifie. Jésus est celui qui nous justifie. C'est par rapport aux condamnations du passé. Par un seul acte à la croix, le sacrifice de Jésus a été justification pour nous. C'est pourquoi on dit, le Seigneur a été notre justice. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 30, il dit ceci. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Quand tu es appelé de Dieu, ça ne signifie pas être pasteur, prophète, tout ça. Tout chrétien est appelé de Dieu. Maintenant là, tu es justifié. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles sont là. Tu ne vis plus dans la culpabilité des choses que tu as fait par le passé. Un passé ancien ou un passé proche. Tu ne vis plus dans ça là. Alléluia. C'est comme ça que tu vas te sentir proche de Dieu. Si l'ennemi t'accuse à toi là, ben, avec tous les garçons que tu as connus de la vie là, toi vraiment tu peux être chrétienne. Tu lui réponds quoi? Je suis une nouvelle personne en Christ. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Je vous ai toujours dit que pour ceux qui... Il y a une virginité spirituelle qui est comparable à la virginité physique des jeunes filles qui se marient quand on vit une vie sanctifiée avant le mariage. Je vous ai toujours dit ça. Amen. À cause de la justification. Quand il y a pris, non, moi maintenant, ces choses anciennes, maintenant je me garde pour Dieu. Et je me garde aussi pour ceux qui vont se marier, pour mon mari ou pour ma femme future. Tu vas voir ce que tu vas vivre. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que les choses anciennes sont passées. Oh non, tu faisais ça. Les gens vont te rappeler. Satan va étudier pour te rappeler. C'est là vraiment. Non, c'est des choses anciennes. Je suis une nouvelle personne en Christ. Amen. C'est pourquoi Romains 8, verset 1 dit quoi? Il dit quoi au verset 1? Allez-y vite, c'est un bon chapitre, on l'étudie le 17 mois de novembre. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pourquoi? Colossiens 2, verset 14 dit simplement, l'acte des ordonnances qui vous condamnait a été déchiré. Tu es justifié. Amen. On peut dire Saint-Jimmy. Hein? On peut dire Saint-Jimmy, n'est-ce pas? Ok? Amen. Amen. On peut dire Saint-Pascal. On peut dire Saint-Gilles. Amen. Alors, parce que, à partir du moment où tu es en Christ maintenant, quand tu es justifié, ipso facto, le sang de Dieu t'est justifié et t'est sanctifié. Mais il faut te commencer à de ça et vivre ça. Amen. Vivre ça. Tu n'as pas à rougir de ce que tu as été avant. Alléluia. Sinon, j'aurais des bébés en train de me traîner, de me toucher dans la veste pendant que je prêche des bébés partout là. Vous savez d'où viennent ces bébés là? Évidemment, des avortements que j'ai fait quand j'étais médecin pour le jeune. Il y en avait chaque dans ma clinique, chaque mercredi, je m'appelle 5-6 dans ma clinique privée ou à Kinshasa. Est-ce que vous me voyez moi rougir là? Non. Il y en a qui croient que je n'ai jamais commis de péché. Ok? Justifié par la foi. Alléluia. Les choses anciennes sont passées.
Alors, je tiens aux nouvelles depuis 20 ans. Je ne lésine pas avec ma vie spirituelle. Il n'y a personne qui peut me ravir mon trophée. Je vais les gagner. Alléluia. Il faut être homme, femme de décision. Parce qu'il y a un bonheur de demeurer de la justification. Tu n'as plus de culpabilité avec elle. L'ennemi ne joue plus avec toi. Imagine toi, tu viens prier, puis tu te sens le passage. Comme cette jeune fille de Québec qui m'a écrit, Julie, qui m'a écrit de Québec. Mais chaque fois qu'elle prie, elle voit qu'il a tacté, qu'il est juridique, il n'est pas capable. Toi, tu es le prostitué. Voilà. Je l'ai dit, continue à prier cette voix-là. Fuis. Je vais t'appeler. Quand tu vas avoir un téléphone, appelle-moi pour mon nom. Cette voix-là, fuis. On est justifié par elle. La foi, il n'y a plus de culpabilité en nous maintenant. Alléluia. Ce que signifie premièrement Jéhovah Tchidkenu. Alléluia. Donc, comme conséquence de la justification, vous allez avoir la paix en vous et la paix avec Dieu. Tout se fait par la foi. Amen. Il y en a qui attendent, moi je vais faire beaucoup de bien pendant une semaine et puis je vais serrer bien à la fin de la semaine. Non, tu es bien à partir du moment où tu commences à prier. Alléluia. Ce n'est pas la situation par les œuvres, c'est la situation par la foi. La deuxième conséquence, nous allons en train d'être dimanche prochain. Sache que tes péchés ont été ôtés. La troisième conséquence, au Shikamai, quand c'est Dieu te déclare, ce que nous avons vu, plus de culpabilité. Alléluia. Et vous allez voir, mais quand vous êtes justifié, engagé maintenant un combat spirituel, l'ennemi ne peut pas vous faire. Parce que vous êtes revêtu maintenant d'une arme qui est très efficace pour les âmes, ils appellent la cuirasse de la justice. Voyez un peu. C'est connecté. Amen. Si tu n'es pas justifié, tu ne seras pas justifié par la foi, tu ne peux pas revêtir la cuirasse de la justice. Dans les combats, l'ennemi qui te perce par les condamnations dans le cœur, et qui permet des choses de passer, tu ne vas pas gagner ce combat-là. Alléluia. Donc même dans les combats spirituels, la justification est quelque chose de très important. Ce n'est pas la RMFD 6, verset 10, pas revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est revêtir Jésus-Christ. La verset dit revêtez-vous de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va dire que nous, c'est qui? C'est lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est les choses qu'on va voir dimanche prochain. Alléluia. Et on va entrer en détail comment ça va vous concerner pour ceux qui veulent se venger tout le temps. L'éternel sera ta justice. Quel que soit déjà d'attaque là, toi bénis-les. Jésus a dit simplement bénissez vos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être bien. Ça veut dire laissez-les moi, que moi je joue un peu avec eux. Hein? Dieu sait bien punir les ennemis par l'homme. Alléluia. C'est pas soyez intelligent. Si tu veux que le savoir tombe sur les ennemis, bénis-les. Fais-les du bien. Ça va brûler sur les têtes. Alléluia. Ça, on va voir dimanche prochain. C'est la dimension de Job que nous qui dit simplement l'éternel me rend justice. Les premiers étaient justifiés, mais l'éternel, il défend ta cause. Alléluia. Amen. Et puis, on va terminer dimanche prochain avec parce que nous invoquons Job que nous, il est un Dieu juste. Son esprit de justice est en nous et nous projetons les gens vrais justes. Amen. Parce que c'est le nom des relations. Quand tu as une relation avec Jésus-Christ de Nazareth, tu dois produire les. Tous les temps, le peuple d'Israël était puni parce que Dieu voyait la méchanceté, ce qu'il faisait envers les autres, tuer les gens, et violer les femmes. Dieu n'était pas du tout content. La même chose aujourd'hui là, Dieu n'a pas changé. Dieu veut voir, parce que Dieu est justifié par la foi, la grâce de l'homme. Maintenant, produit les œuvres de justice. Parce que le royaume de Dieu consiste à la joie et la justice. Amen. Il y a les chrétiens, quand il s'agit des choses des autres, ils voient le mal. Quand ils sont de lui-même, ils ne voient pas. Quand ils sont d'une autre famille, ils voient. Amen. Un chrétien qui soit à ta famille ou en dehors de ta famille, tu dois regarder, avoir un esprit de droiture. Vous avez mal fait, ce n'est pas bon. Amen. Tu ne dois pas être là, attendez. Non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, ça va être très, très bon. On va continuer avec les autres paramètres. Éternel, nous bénissons ton Seigneur. Oh, Jéhovah Tchidkenu, Dieu juste et saint, Dieu qui nous a justifiés par Jésus-Christ. Tu es notre justice dans toutes les situations, ici ou ailleurs. Dans cette situation qui se passe à Kinshasa, tu es ma justice auprès de moi. C'est pourquoi je me confie en toi toutes choses.
ushumdaka na shuto kumashia. Kona ole la shuoma na dema na dema prinsi. Li verma, le verma sumashika ma reveresta na koshia. Kome ome de dele feye la barad neshe. Nisha e prise, nisha e prise oche ma rekomanda kaya. Seigneur, nous rendons grâce encore pour tous ceux qui ont la culpabilité de toucher seulement votre cœur maintenant. Père, maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute culpabilité, condamnation par rapport aux choses faites dans un passé récent ou dans un passé lointain ou très lointain, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'arc de Jordan qui était condamné a été déchiré à la croix du Calvaire. Je te lis, esprit de culpabilité, sors du cœur maintenant. Vas-y dans les lieux arides et ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dis simplement, Père Céleste, je te rends grâce de délivrer mon cœur de toute culpabilité. Je suis libéré. J'ai la paix dans mon cœur. La paix avec Dieu. La paix avec moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Céleste, je te rends grâce et je te dis merci. Amen. Tout cela est possible, tout cela est possible, que